go to St. Charles. Les conservateurs n'ont aucune considération pour les chômeurs. Service Canada force maintenant les travailleurs saisonniers à prouver qu'ils sont en recherche d'emploi en demandant à des employeurs potentiels de signer une déclaration affirmant qu'ils n'embauchent pas. Dû aux démarches administratives, certains employeurs demandent des frais qui peuvent aller jusqu'à 30 $. Monsieur le Président, quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'argent pour payer un formulaire de recherche d'emploi. Comment la ministre justifie le fait de faire payer les chômeurs pour qu'ils aient accès à leurs prestations? L'honorable ministre des Ressources humaines. Monsieur le Président, c'est inacceptable s'il y a des employeurs qui demandent le paiement pour une telle lettre. Ce n'est pas comment nous voulons le faire. Monsieur le Président, il y a une responsabilité de la part des chômeurs de démontrer qu'ils sont en train de chercher un emploi. Ça, c'est vrai, mais il y a plusieurs autres moyens de le faire. Il ne doit pas être soumettre une lettre des employeurs, surtout les employeurs ne doivent pas charger pour ces telles lettres.